Pesi basant nyo sombote na kombo na Yesu. Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Bisika nyo so oyo boko yeba na kolanalité oyo. Kolo Yesu nzambe na pomoi azala favorable pa ina moko na moko. A pambula moko na moko wa kolanda biso. Tuza kokoba na enseignement na biso ne tubandaki yango sur le cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tosi tukomaki na cinquième parole. Torobelaki cinquième parole. To expliquaki Jésus lokola peuple na ekulusu. Je crois tozwaki mwa temps ya kuexplike Yesu lokola peuple na ekulusu. Lelo par la grâce de Dieu tokosimba Jésus loko la nzambe po iye moko Yesu azali nzambe tukutambula na yango bongo total sa pe soif oyo nzambe azalaki na yango po pe aza na yango lelo que le Seigneur soit béni bongo nde tuyeba na kutambula tubondeli ya moto banda Seigneur Jésus nous te disons merci pour na tango pesi biso ya kuyeba kolobela yo. Zaran Zambé, ouais, qu'on le bisou. Ouais, qu'on éclaire bisou. Tout le monde s'est dit qu'on a fait bisou. Béni ce temps. Laisse que ces paroles apportent la guérison, la paix. La carte moutonne soit Kolanda Yango. Que ta grâce accompagne ces messages et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Douzana Mukanda ya Jean, chapitre 19. Non, oui. Jean chapitre 19, Tosana verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, enfin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Awa tomoni, le Seigneur Jésus-Christ, Azakuloba, j'ai soif. Mbaleleki totalisaki le Seigneur lokola peuple oyo azalaki na soif. Tozolobake tango zomona peuple azalaki na soif, nzambe pa azalaki na soif. Peuple azalaki na posa, nzambe pe azalaki na posa. Que le Seigneur nous bénisse. Si pour ça, il y a peuple, et là, qui nini, peut poser un Nzambe, et là, qui nini. Totalisa qui, na mukanda ya, ya psaume, totalisa qui na mukanda ya psaume, chapitre na yango 42, Bible Zolo Babouena, verset 2, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Totalisa ki awa, que peuple, azalaki musika ne longi anzambe. Peuple, azalaki na posa yanzambe. Moni, c'est pour dire que posa ou azalaki na katia peuple, azalaki. Azonga lisusu liboso ya nzambe. C'est ça. Soif au peuple azalaki na yango. Parce que après le péché de l'homme, tuyebaki na kubungisa nzambe. Donc après le péché de l'homme, tukomaki musika na nzambe. Nzambe azalaki, peuple azalaki na posa ya nzambe. Mais tozolo baboye. Pour ça, où ils allaient na kati ya peuple, ils allaient kipe na kati ya nzambe, na sens ni. Tozolo ba iloko où ils vice versa. Peuple, azalaki na posa ya nzambe, nzambe pe. Azalaki na posa ya peuple. Tozolo ba ke soif où nzambe, azalaki na ngon ancienne alliance, ils allaient soif ya sali, posa ya kobi ki sa peuple. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous remarquez, à tout moment, Dieu envoyait les prophètes.
ba prophète bayaki nzambe nakata ba prophète azalaki pe na posa ya kubikisa l'humanité mais nakati na bango mutu moko ko yena kubikisa l'humanité te même bambe kanyoso bende ko pesa maun nzamba pesa ki wana et ko kaki pe kubikisa l'humanité te voilà pourquoi na hébreu akoloba boye si na voulini sacrifice ni holocauste qu'on offre perpétuellement selon la loi mais tu vas former un corps pour faire au Dieu ta volonté. Or la volonté de Dieu, où est ce que nous avons c'était pour les salir. C'est pour dire que Bambe Kanyo se pèse à maquine en scène alliance. Et quoi qu'on pèse à salité. Par là, nous comprenons que nous avons pe azalaka na posa ya butu. Donc, pour ça, où est-ce na katam tema ya butu, c'était aussi que l'homme soit sauvé. De même que l'homme avait besoin de Dieu. De même aussi Dieu avait besoin de l'homme. Donc mili mon abiso zali na posa ya nzambe. Nzambe pas zalaki na posa ya sali na biso. Mais loko la za nzambe ya ordre za nzambe oya sala ka makambu kolandisa ma ba tango na ye. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Toyebi ke eza na motei na biso passé bambindo ateyaki azala banzela oyo ya ebaki na kosimba de ce cinquième parole. Que le Seigneur nous bénisse. Toujours simba ba nzela mususu. Mais ceux qui peuvent kusenga to le kawana to le kawana. Mais toujours kusimba ba nzela mususu. Donc to tali saboye. Toujours mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 6. Matthieu chapitre 5 verset 6, la Bible dit: Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et si on a battu basan anza la pe posa ya boyenge beni pote bakoye ba nakotonda. Que le Seigneur nous bénisse. Oloyesu aeba nakopambola biso. Ok. Tolobi Matthieu chapitre 5 verset 8 et bisi biso. Écrit tout Tanga. Ok. Et reste ceux qui ont fait et sauf de la jusqu'à ils seront rassasiés. Et si on a oyo baloukaka. Kosa la bolamu, nzambe akoton di sabango na bolamu. Pourquoi tu bengi écriture? Parce que tu l'as tout expliqué. Pour ça y'a nzambe na lolenge moko oyo tukwe bakotambo na ngona pokwa lelo. Par rapport ya langage oyo kolia na komela ezo bimeloko moko. Par rapport ekritiro kolia na komela ezo bimeloko moko, cela veut dire posa. Cela veut dire tozo mona kolia, tozo mona posa. Tango pe tozo mona komela, tozo mona posa. C'est pour dire que na par rapport ya matye ototangi kolia na komela eza eloko moko. Yango tolobi tango zo mona nzambe azalaki na soif ezotali sapeka kanzambe azalaki na nzala ezelo komoko tango moni nzambe azalaki na soif ezaka eloko moko na nzambe azalaki na nzala sepudi ke soif ya nzambe ezalaki ke peuple abika yango wala peka nzala ya nzambe ezalaki moto abika donc awa na kokanisi nzala na soif lokola eloko moko moni na kokanisi nzala na soif lokola eloko moko yango tobi ke soif ya nzambe ezalaki peuple abika nzala ya nzambe ezalaki pe peuple abika yango tango tokokende na mukanda ya Jean okoremarke je crois na Jean chapitre 4 verset 34 Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est pour dire que nzala ya nzambe za lokola nzala ya biso batute. Posa ya nzambe za rappelle lokola posa ya biso batute. Nzala oya biso to posa oya biso ezalaki nzambe tozongela nzambe. Nzala pe ya nzambe to posa pe ya nzambe ezalaki a récupérer biso. Donc abikisa biso parce que la volonté de Dieu azoloba awa c'était les salis, c'était akufa ne kulusu po na sali na biso.
Que le Seigneur nous bénisse toujours qu'il est quelque part. Toujours quelque part. Toujours dans Mukanda ya Genèse. Toujours dans Mukanda ya Genèse. Chapitre 12. Toujours dans verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les gras de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Awa, toujours remarqué, Bible et l'auteur, c'est que Nzala et Kotaki Nakatia Mboka, Nakana. Si vous avez Nzala et Kotaki Nakatia Kana, Biloko Yakolia et Zala Kinde na Egypte. Abraham devait effectuer un mouvement. Abraham devait quitter Egypte et Kana. Bible a utilisé le mot descendre. Il devait quitter Cana et descendre en Égypte. Tous comprennent que Cana est allé dans l'icolo, position en géographique, mais allé dans l'icolo. Égypte est allé dans ce. C'est pour dire que nous allons écouter dans l'icolo par rapport à ce qu'Abraham a allé. Bilo Kaolia est allé dans ce. Abraham maintenant devait quitter. Et si Kazalaki a quitté en Égypte, donc il devait quitter l'auteur parce qu'il n'a pas à l'icolo, à descendre en assez pour manger. Mais à quitter mon côté, il faut à quitter Sarah. Or, Abraham, selon la signification de son nom, est le père élevé. Or, nous savons le père élevé, et Zalakanzambe et Moko. Sur la terre, ils peuvent avoir des pères. Mais Dieu est le Père élevé. C'est pour dire que Atombama l'icolo ya nyonso. Yango, le Seigneur a dit que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Or, quand on voit les cieux, ne l'obéit pas. Nous sommes tous les sacs. Nous sommes tous les Atombama. Nous sommes tous les Nene. L'icolo ya nyonso. C'est ça, Abraham. Nous allons écouter qui est l'icolo. Or, tout le monde a expliqué nous allons. Na soif loko le loko moko. C'est pour dire que nzala o ekuta ki na likolo. C'est pour dire que ezala ki na posa moko na likolo. Pour surtout so, juste Abraham loko la Nzambe tozu kana comme le ciel. Et si kan Nzambe azalaka tango zo mona nzala ekoti na kana. C'est pour dire que ezala ki na posa moko na likolo. Nzala na likolo ki na posa moko na likolo. Posa yango Nzambe azala ki na yango. Puis Balobi que la famine était grande. C'est pour dire que de là qui posa ma kasi na kati ya Nzambe. Avant Balobi que Nzambe depuis l'ancienne alliance, de là qui peine à posa ya ma kasi. Soif ma kasi, posa ma kasi, ya koyeba na obikisa biso. Donc à récupérer biso. Mais posa yango, pour ekokisama na kanate, posa wana ekokisama na Egypte. C'est pour dire que biloko oya Abraham qui n'a pas besoin. Il y a là qui na Kanate, et là qui na Égypte. C'est pour dire que pour Abraham Alia, il doit quitter Cana et descendre en Égypte. On te expliquait déjà Abraham loco là, Dieu comme le Père qui devait quitter le ciel pour venir accomplir sa volonté en Égypte qui est la terre. Mais Abraham a koya y est mon côté. Abraham a kozala accompagné na mwasi na e Sarah. C'est pour dire que Bangomi Balé ne va pas accomplir Evrewana. Que Dieu soit loué. Abraham Ozamwasi na Sarah ne va pas faire la descente. Bangomi Balé
bazo kita na Egypte. Ce que tant bazo kita na Egypte, a tomoni Abraham na Sarah. Kubo sanate, moi c'est na mobali, ezalaka mutu moko. Quand on voit l'homme et la femme, tomona ka mutu moko. Et puis, frère Pierre Alobi, dans vos rapports mutuels avec vos femmes, il faut faire beaucoup d'attention, s'il vous plaît, n'a pas écriture, pour n'aïeba koloba lobate, oyo et komamate. Nous prenons les livres de frère Pierre. Toyoka, eloko o frère Pierre, aza koloba. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ici, quant à la femme, frère Pierre a démontré la faiblesse. Maintenant, il y a Matthieu 21, 46. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pierre a dit ici que moi, si je suis faible, Jésus a dit ici que nous autres, nous sommes faibles. Nous avons compris que la femme, c'est la faiblesse. Ah, si la femme, c'est la faiblesse, le corps, c'est la faiblesse, nous comprenons directement que la femme, c'est le corps. Moni, c'est le corps. Il y a entendu que ici, Abraham, tous yeux comme l'image du Père, c'est l'esprit. Tous yeux, Sarah, le col à Nzoto. Oyo, Nzamba l'attaqui. Nous prenons Abraham comme Christ. Nous prenons Sarah comme Jésus. Bangomi balé, ndesengela ki basala musala ba kite kana ba descendre na mabele. Omoni, c'est ça le Seigneur qui devait quitter le ciel, descendre sur la terre pour manger. Cela veut dire pour accomplir une volonté. Bible le dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais tant que bazo kita, vous pouvez remarquer que et loko ya liboso babi ke Sarah azalaki belle makasi. Azalaki toko makasi. Et loko anetali saka. Quand on voit la beauté, on voit la sainteté, on voit la pureté. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui, tant wazo kota na se amabele, azalaki na beauté ko leka batunyo so na se amabele. Beauté otozo lobela, eza beauté anzoto te. Beauté otozo lobela, babi ke tango akota ki na kati ya Egypte aleka ki basi nyo sobe Egyptien na kati ya bote e otali sa le Seigneur tango akina se amabele il était saint, il était parfait mutu moko azalaki na bosantu lokola ya azalaki te azalaki musumu kite atika la pe kusumu kate voilà pourquoi il pouvait dire qui de vous me convaincra du péché. Le Seigneur quand il entre sur la terre il était saint et il est saint et il est parfait. Que le Seigneur nous bénisse. Surtout nous disons que le Seigneur Jésus a dit qu'il est beau santo. Que les canyons sont pour une de mon santo, que le Seigneur nous bénisse. Il y a un gros remarqué. Ange, Baye, Mbaka, Saint, 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 et l'éternel, Dieu des armées, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Il y a un gros remarqué. Il y a un trois fois saint. Nous disons que Dieu n'est pas trois fois saint. Nzamba azalaka trois fois saint. Ça c'est limité Dieu. Dieu n'est pas trois fois saint. Balobi saint, saint, saint et l'éternel des armées, c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est pour dire que celui qui est, c'est ça le temps de la grâce, l'élo, il est saint. Celui qui était, c'était au temps de la loi, il était saint. Et celui qui vient, c'est pour dire que tant wakoya na enlèvement, na bataille d'Armageddon, na reine millénaire, tina éternité, il sera saint. Ça veut dire que Dieu est saint. Sainteté nae, et le cas est mon qui l'imobimba, parce qu'il y a une de mon santo, ou est-ce qu'il y a un soumou kate, que le Seigneur nous bénisse. Si quoi yo, Abraham a zoé bisaye, qui est un kota boye, bomba kolobate ke, bomba kolobate ke, oza, naza mobali na yo. Ok. Et alors, il faut savoir que Sarah, elle est très belle, beauté n'est le kaki. Et tu as le Seigneur, tu as mon santo, tu as mon santo, tu as mon santo, tu as mon santo. Et alors, il faut savoir que tu as mon santo,
nakukuta na bango okuremarke nakukuta na bango Abraham azoye bisayeke bomba kulobateke naza mobali nayo sepudike Abraham alingaki te batu baye bake aza mobali ya Abraham e ya Sara une façon de dire que batu baye bateke nzoto oyo eza yangai il devait Sara devait cacher son identité c'est ça Jésus au tangwa yaki na se amabele ou remarquer na ministère na ye pendant 3 ans depuis tanga bandai na ministère na ye abandai ko bomba na debia ministère tanga bandaki abandai na ko bomba c'est de voilà qui mbala moko te kaza fils de Dieu abandai ko bomba mais ba démon ba bandai ko détecter ye tanga ko chasser milimu mabe les démons bandai ko détecter ke oyo aza mutu kola batnyo sote yango ko remarquer même tanga ko bosa fou de Gadara ba démon ba détecter babine qui a-t-il entre nous Jésus-Christ fils de Dieu ba détecter qui est que o ezan nzambe nala di nzoto yena se amabele mais ba tu amokili ba tikala ki ko détecter été or en réalité ezala ki nzambe mobimba o ya lata ki nzoto azala ki na se amabele remarquer et loko ezolo ba mukanda Ésaïe chapitre 53 Ésaïe 53 lobi boye Ésaïe 53, le qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nazuluka écriture moko awa verset moko. Ok, verset 3. Méprisé et abandonné les hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le village, le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est pour dire que Moutaki pas été. Or nzambe ewana bato bazo mata bazo kine sambe na Jerusalem bazo bateke bazo leka nzambe nzambe ewana bande kuleka wana maintenant qu'est-ce qui va se passer remarquez le kozo leka aw ye bayaki nde pona nzala loko magi bango zala kinde nzala mais talas ko bakambo ki nde leka kuna na na Egypte tango ba ko makuna nde esika Abraham akokamata mwasi na Sara à livrer yé et pas ya pharaon donc à livrer penza moi si na yé yé moko à livrer yé et pas ya Sara on te présente déjà Abraham comme l'esprit te présente Abraham comme l'esprit et te présente Abraham Sara et te présente s'il vous plaît, te présenter Abraham Lokola, Christ Lokola Nzambe, te présenter Sarah Lokola, Jésus ou les fils. Et loko ezo salama awa, eza enfin que écriture et s'accomplir que le Seigneur a livré qui son propre fils. Omoni, a livré qui son propre fils. Ok. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, hein, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Moi, mon problème, c'est lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est pour dire que, tant que moni Sarah azo kende, Abraham azo tika moi si naya kende pas Sarah, c'est ça, le père qui livre son propre fils. Comment on dit? Na réalité, le Kamboyo, vous remarquez, et le Kamboyo, et le Kamboyo, na réalité, na yango, toza na mukanda ya Jean. Na réalité, na yango sikoyo, tango zo salama, yoka, le Kamboyo, et le Kamboyo. Na bana verset, na Jean chapitre 19, verset 10 à 11. Jean 19, 10 à 11. Pilate lui dit, et c'est moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Verset 11, lui dit, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il
ne t'avait été donné dans ce pour dire que pouvoir yakukanga ewana utaki nao, c'est le père qui lui avait donné, c'est le père qui avait livré son propre fils. Omoni azo livré propre fils. Que le Seigneur nous bénisse. On a frère Paul Mutazoloba. Mais remarquez, azo livré pour nani. C'est ça le problème. Azo livré pour nani. Azo livré pour nani. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est pour dire que a livré qui est pour Nabisonioso. Comment on dit? C'est ça. Abraham a livré Sarah par Pharaon. A livré par Pharaon. Nous avons remarqué, na retour. Abraham a causé Batou et Bélé. A causé ba serviteur. A causé ba ngombe. A causé ba chameau. A causé ba anes. Ba an. Bazo bima. Parce que a livré qui? Moi sinaï. C'est pour dire qu'après avoir livré sa femme, nous avons recevoir biloko en retour. C'est ça le père qui livre le fils. C'est quoi? Biloko nyoso moni ba azuya, ba serviteur, ba servante, ba niama, na romain. Frère Paul azo benga ongo, nous tous. Frère Paul azo présenter biloko na comme nous tous. C'est pour dire que a livra ki, na retour azo zwande biloko, omoni. Donc c'est pour dire que nzala oyo po bango ba kinde po na nzala. Mais tant que l'on a dit 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 Abraham a livré moi si naïe et pas Yanani et pas ya Pharaon. Par là, nous avons compris que Nzala yango et Zala kinde que Abraham puisse livrer sa femme. C'est pour dire que Nzala yango c'était qui a fait que le père puisse livrer son propre fils pour nous tous à la croix. Yango tout le monde livraison au père azo livré moi nanae c'était enfin que le Seigneur aye bana kokufa na ekulusu liwa na ye kweza kokufa na ekulusu ndezo sala ke nous tous nous soyons sauvés que le Seigneur nous bénisse tout se répète pour nakoloba boye tangu Abraham na mwasi na bazo longwa na Egypte balongwa ki pona nzala cela veut dire bakenda ki ndepo na kolia. Mais tant que vous avez en Égypte, au lieu de tout le monde savoir que Abraham n'a pas de bandit Kolia, Balaki soit Abraham n'a pas de bandit Kolia. Mais Balaki si vous savez que Abraham a commandé moi si naïe Sarah a livré pas Abraham et pas Pharaon. Par là, nous avons compris que nous allons et nous allons dire que Sarah a livré pas Abraham et pas Nani Pharaon. Nous allons voir en Guana. Tant que vous allez livrer pas ya et pas ya Pharaon, ne Pharaon, azala qui na bateau ya kangaki, hein? Bas servante, bazala qui esclave nae, na baniama, bazala qui aye. Mais au cours remarqué, quand Sarah sera livrée et pas nae, quand elle sera livrée pas nae, ne ya koué ba na ko relâcher. Au moins, y a un tolobi qui est acte de salama, oh, c'est ça l'œuvre de la croix. Pharaon, oyo azalaka image ya diable. Oyo akanga ki biso nyonso na sen alliance, tozalaki comme ba bien na ye, tozalaki comme be esclave na ye, mais il fallait que véritable Sara aya azala livré na ekulusu, papa a livré ye na ekulusu afin que biso o to la ki esclave to la ki banyama nae to za la racheter to yeba na kobima. C'est pour dire que nzala yango to soif yango c'était que le Seigneur Jésus-Christ soit livré à la croix à kufa ne kulusu pour nous racheter biso oyo to kange maki que le Seigneur bénisse. Donc soif yango za la ki nini soif yango za la ki que le Seigneur Jésus puisse nous sauver. Or, pour Abiki Sabiso, il devait être crucifié à la croix. Il fallait qu'il akufa nekulusu. C'est ça, Sarah qui est livrée entre les mains de Pharaon. Pharaon awa, a otalisama, comme l'ennemi, comme le diable, na système na enyoso, na pouvoir na enyoso, ou y est détenu kibiso. Maintenant, tant qu'on va livrer Sarah et pas naïe, c'est ça le Seigneur qui a été livré à la croix de Golgotha, entre les mains de l'ennemi,
mais gloire soit rendue à Dieu. Bible zolo ba après wana nzambe a frappa ki pharaon. Remarquez ce qui se passe. C'est pour dire que livraison ya Sarah et pas ya pharaon et zala ki lo kwesengo pharaon se pela ki na yango mais pharaon e ba ki te na simesengo wana frappe zali au monitan azo zo Sarah ya zo se pela ti azu mo sa ba to se pela azo mona bien mais e ba ki te ki frappe et batama ki na simelo ko wana c'est ça l'œuvre de la croix. Quand le Seigneur était arrêté à la croix de Golgotha, ezalaki esengo ya munguna na batu na ye ba sepelaki croyant que ba sepeli croyant que ba zue esengo or bazoye bateke l'œuvre de la croix bien que debi nango ezalaki esengo pona bango mais bazoye bateke c'était à la croix que le Seigneur va frapper l'ennemi acte esengo et kubongo na mawa pona bango parce que sur la croix c'était le lieu où le Seigneur avait dépouillé les autorités, les dominations à livrer qui bango publiquement en spectacle. Donc toi bango bazo zo le Seigneur bazo sepela mais bazo yebate que acte wana ko baluki la bango na mawa. Et lokoyo o ko remarquer pe ça la maka et pas ya ba Philistins na chaîne de bataille d'Israël. Israël zo bundana ba Philistins. Ta ba bundana bango na kata bitumba na ba Philistins bande ko dominer. Maintenant, il fallait que ba ça l'appel na archea. Dans archeye na champ de bataille bitumbe bandier ba Philistin bakangi arche tant bakangi arche bakena ngo pa na bango tant bakanga arche bazalaki ne sengo ba même arche na sengo mais arche wana tant weke na nda kwa Dagon makambo ekende ko sala kuna ezalaki malheur ezalaki frappe pona bango otoro bakye ba Philistin bazalande image à monde de ténèbres pe Israël a représenté tous les élites de Dieu qui étaient dominés autrefois par le diable dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, pour notre secours, il fallait qu'Arche y Arche, c'est ça l'arrivée de Dieu sur la terre. C'est ça le Dieu qui quitte le ciel. Mais tant qu'Azoya, Arche ou Eboma Ouza, Arche ou Sokezo Tambo, la Fouba Spikayango. Arche oyo et kabola Jourdain mais à tout monde ba Philistin ba simbia wana pété ba kufité c'est ça le Seigneur oyo na montana sitai Sinaï akita na gloire akita na moto a pasola ba mabela sala ba miracle makamba ko kamwa mais na Getsemane ba kangai na facilité nyoso amitika ba kangai na facilité nyoso ezala ki sengo pa banguna tant bazo kanga le Seigneur avec facilité mais ba yeba kité ke ndenge ba okanga e wana et que ça ne pas malheur na bango c'est ça le Seigneur tango zo matane kulusu le monde de ténèbres bazala ki nesengo parce que bakangiye na batrongo bakanga ki bazala ki nesengo mais bazo ye bateke ezala ki pona malheur na bango même les pharisiens tango bakanga le Seigneur même les pharisiens tango bakanga le Seigneur bazala ki nesengo ke bakangiye ki akufi mais bazo ye batende nga zo kufa wana c'est la fin de l'ère sacerdoce bazoe bateke ndenga zo kufa wana bango ba okoma ba chômeur misale zo sila hein parce que tango zo matoke ndo kufa wana c'était pour mettre fin à la loi mais tango ba matine kulusu wana bango ba osepela bazo sepela bazo abikisaki ba msusu bazo sepela bazo bate mais c'était pour la fin de l'ère sacerdoce pour ba koma ba chômeur oto ye ba lelo na likanisa nzambe ba koma ba chômeur na likanisa nzambe bakoma bashomea po misala nso basala kawana nzamba za kasusu wana ta kita ya sacerdoce wana do nzamba za kasusu wana te akita sacerdoce wana ke le sainte bénédiction to dit que Abraham wazo livré c'est ça le père qui livre le fils omoni nzala ngo siko yango wana donc nzala yango ezala ki ke posa ya nzambe ezala ki ke a livré son propre fils alors c'est pour dire que pour nous sauver nzamba qui n'a pas ça ko biki sabiso mais pas biki sabiso il fallait qu'il livre son propre fils à la croix tant qu'on livre son propre fils à la croix de Golgotha ne biso to ko bika que le Seigneur nous bénisse pharaon ko sepela tant qu'on moi chez Abraham bien que ce n'est pas écrit mais nous croyons que c'est là qu'il s'est tant qu'on zoki mais yango ko porter ce ko malheur et ça que nzamba betaye et on te dit qu'à la croix de Golgotha car l'ennemi a reçu le Seigneur pour n'a pas la sujet sengo mais bongwen la ki bango mawa or c'était la fin de l'ère reine que le Seigneur bénisse à cause de cela à cause de ce que acte de salama nde pharaon il faut lâcher ba serviteur à lâcher ba servante
alashe ba nyama oyo bazalaki na se abokamba minaye po bazonga bakoma ya Abraham que le Seigneur bénisse yango tolobi ke ba serviteur na ba servante bazo représenter les peuples de Dieu qui étaient sous la domination du diable qui étaient sous la domination du péché oyo bazalaki tozalaki na se a domination ya monguna privé de la gloire de Dieu mais à partir ya œuvre Sarah salaki donc à partir à l'œuvre de la croix le Seigneur nous avait racheté le Seigneur nous avait récupéré nde lelo toyebi na kozonga que le Seigneur bénisse toyebi na kozonga na kati ya kembo ya Nzambe kolo sapambo la biso esuki wana te ko remarquer que bakopesa Abraham bangombe bakopesa ye ba anese bakopesa ye ba chamo c'est pour dire que bazo pesa ye les animaux pires et les animaux impurs vous voyez autant tout mon ngombe c'est un animal pire mais tandis que quand on voit les chameaux c'est un animal impur c'est pour dire que l'œuvre que Sarah la livraison de Sarah entre la main de Pharaon et zo ça la que Abraham azwa les animaux pires et les animaux impurs vous donc Abraham posa naye azo livre moi sinaye c'est Abraham c'est ça le père oyo a livra ki fils akufa avec posa naye kokisama ce que tant fils azo kuzala livra azo kufa nde maintenant le père azo récupérer les animaux pires et les animaux impurs omoni c'est pour dire que les animaux pires et les animaux impurs bazalaki na ses esclavagisme moni bazalaki na ses esclavagisme ses esclavagisme anani ya pharaon or les animaux pires selon Lévitique 11 et représentant Israël les animaux impurs et représentant nous les nations c'est pour dire que ça soit Israël que ça soit nous les nations tous nous étions sous la domination du diable moni biso na soki na sa domination ya satana to akita sa domination ya péché mais l'œuvre de la croix nde ekosala ke biso nyonso toyeba na kokangolama que le Seigneur nous bénisse. Frère Paul a expliqué on a Romains chapitre 3 Romains 3 verset 9 quoi donc sommes-nous plus excellents ni les mains car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous la pire du péché c'est là qu'il est écrit il n'y a pas de juste pas même un seul ni n'est intelligent ni ne cherche Dieu tous se sont égarés tous se sont pervertis il n'en a aucun qui fasse le bien pas même un seul dans une verset 9 car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous la pire du péché. 10. C'est là qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, ils sont nions, tu as sa domination à péché. Alors, véritable Sarah, Seigneur qui a livré à la croix de Golgotha pour nous racheter, pour nous récupérer. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons les salis. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce que soit Fanzambe kokisa maki ne kulusu, soit Fakobi qui s'abisse et kokisa maki, or posa nae, izalagi ke, a livré, posa ne izalagi ke, a livré propre fils ne ne kulusu, afin de nous racheter. Hébreu, Hébreu m'talobi yango, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Or la volonté de Dieu était que sa chair, son corps, puisse mourir à la croix, son fils puisse mourir à la croix de Golgotha pour nous racheter. Aujourd'hui, nous sommes rachetés de l'autre commis. Que le Seigneur nous bénisse. Né Abraham a récupéré Biloko Wana, a remonté na yango na Kana. C'est pour dire que Abraham a quitté Kina Mwasi na en Egypte, tant qu'on en Egypte, a récupéré Biloko Zaki de Pharaon, a remonté na yango na Kana. Yango te le dit que aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés à Memi Biso. Lelo, Tozanae et Sikamoko après l'œuvre de la croix. Topé s'écriture. Là, nous sommes dans le livre d'Ephésiens, je crois, chapitre 2, verset 6. Là-bas, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui sommes morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça le changement qu'on quittait Égypte,
kozonga na kana doko mata na kana kana oyo verset 6 alobi il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les lieux célestes ici c'est Cana, biloko longo na Égypte et que Cana, que le Seigneur nous bénisse. Maintenant remarquez ce qui se passe. Tolobi ke tango Abraham azwi biloko oyo nde akozwa yango amati nango na Cana. Vous voyez, à cause de amati na ngona kana. Or, comme Abraham na kana, dans la révélation, c'est ça, c'est lui qui était descendu, c'est le seul, c'est lui qui est monté. Tango akitaki, après kokita, il faut mata. Il y a un tobi qui est sur le plan spirituel, Ephésiens chapitre 2, verset 4 à 6, c'est ça qu'on s'accomplit. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Tokangolama. Nous sommes aussi Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Les choses d'en haut, c'est ça, Cana. Les choses qui sont sur la terre, c'est ça l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes appelés, il y a qu'on s'appelle na biloko ezana likolo, mais il y a qu'on s'appelle te na biloko ezana mabele. Or biloko yo ezana mabele, ce sont les désirs de la chair, makama mokili, ezana kata monde, tokoki ko s'appelle na yango te, parce que Christ nous avait déjà racheté. Après avoir nous racheté, à même biso na likolo, peuple de Dieu, tous allons déjà racheté. Nous devons faire beaucoup trop d'attention. Nous devons faire beaucoup trop d'attention avec les choses qui passent sur la terre. Nous sommes rachetés par Christ, non plus pour rester sur la terre, mais nos esprits sont déjà dans le ciel. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Non pas na makambo eza na se amabele. Que le Seigneur nous bénisse. Yango mwana nzambe, il faut lingalité ya kuleka makambo mokili. Mwana nzambe, il faut linga makambo nzambe kuleka makambo mokili. Mesoko mwani mwana moko ba soit disant mwana nzambe azulinga makambo mokili kuleka makambo nzambe, comprendre que o wana aza mwana nzambe te akangula mananu te. Mwana nzambe il faut s'affectionner des choses d'ao. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons là, naiba ki naibani na ndeko moko musali ya nzambe, ndeko wana azalaki pe na kata ba group ya ba WhatsApp. Remarquez, ndeko wana azo reclamer que hier fois longwa na kata group a WhatsApp zo mate te amaka raison azo pousser abi ke megana ngai soka na kuti we ba makamu na bino wana ezo sil sangai mega. Mais, ma case n'a pas méga, il y a ce que ça tient méga na e, il y a pas ça la recherche, ma kabe ki pa minde le wana. A kouchata 200 méga, a kouchata 300 méga, donc a kousala nde recherche, ya ma kabe ki pa minde le. A tali, bon, précisément, a se porta ka Barcelone, a koumi a tali, tala sali ba recherche, ya ma kabe a Barça, a sali recherche, ya ma kabe a Barça. A sali recherche. Il y a ma camomoua moukili, ma fertilité, mais ma personne nulle part. Mais ma théa, ma camanzambe, à l'eau, qui est méga nangaï, et aussi là, ma camanabinana, et ici, c'est un méga. Non. Peuple de Dieu, nous devons aimer les choses de Dieu, plus que les choses de la terre. Koulinga ma camanzambe, kouleka ma camamoukili. Parce que sur la terre, tout si tout si koulama, tout la souci à ma belleté, tout si tout koma yalikolo. Koma, yo le boza mwana nzambe, era kil te kuki, ovano nanda kota la TV. O le boza mwana nzambe, na eglise, ba dekrete ke tuza na retraite, yo utikali, ba ninga bazo jene, yo ovano nanda ku, ozo liana yo. Ba ninga bazo sambela, yo ozano na batu, ozano na mwakamukintela ba match, ozano na banzela mwa makamu, plasi mungu zangatina, te pepe de Dieu, tu si kolama, nous devons nous différencier avec les gens de ce monde. Tout le monde est l'élo sur le plan révélation. Tout le monde est déjà dans le Seigneur a joué biso, mili mon abiso, et si et kenda nae. Donc Abraham, sur le plan révélation, a joué biso,
mili mona biso esi ekenda na ye to dans les céleste. Mais si le plan te rend que ko mate Abraham wana ko bimane ko kende wana si le plan révélation te dit que c'est ça le retour de Dieu au ciel a zongana mili mona biso lelo akokisa pusa na ye le toza na ye ensemble soit finesa sur toza na ye ensemble. Mais attention, sur le plan prophétique to zongina noté. Si les plans prophétiques, milimo na so bien sûr les akuna, mais si les temps prophétiques nous en mabele, nous attendons la rédemption de ces corps. Yango ko salama au son de la trompette, na enlèvement de l'église, ndi rédemption nzote ko salama, ndi toko kite mabele oyo, toko yeba na kozonga pour les ciels. Parce que sur la terre, tout suite aussi kolama, tout ça na sa mabele, mais un jour toko kite mabele, toko yeba na kozonga kana. C'est ça le ciel. C'est ça l'éternité, côté Toutaki. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'autre simbi cinéma, j'ai soif. Côté de sa Kinzambe, dans cette alliance, Azalaka n'a pas sa Kobiki Sabiso. Pectozon di Makine Kurosu, Abiki Sabiso. Que le Seigneur nous bénisse. Pour jusque-là, Tosimiranoka, j'ai soif, Yaoundé, te expliquer. Laisse que la paix, la grâce, le Seigneur Jésus-Christ vous soit accordé. Ma numéro n'a pas ses alliés. Plus 243. Plus 243 89 880 88 75 plus 243 99 88 77 303 plus 243 99 88 77 333. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.